Après toute discussion, toute gros réunion, tout passé mais en tête, Haïti campé dedans, yo dit pas retirer $800 qui exige à Saint-Domingue pour causer marchandises cap tout Saint-Domingue pour entrer Haïti. Eh bien Saint-Domingue t'est trouvé l'obligation, y a cherché, y a frappé toute porte pour cap joindre l'autre pays cap mieux pour yo pour gérer question commerce là. Ou quoi y a joindre? Mais viens nous expliquer sous qui pays Saint-Domingue tombé et qui ça qui fait déjà dans cause commerce ça. Rapprochez, nous va l'expliquer. Juste avant de dire bonjour, bonsoir, dépendamment de à qui l'on regarde la vidéo, ça, c'est Ricky Haïti contre la KO, plateforme Paul. Une plateforme qui nous crée spécialement pour nous-mêmes, pour nous capables de motiver, orienter et informer de tout ce qui passe dans ces domaines qui concernent nous et tant qu'Haïtien. Un grand merci spécialement à vous-mêmes qui toujours prend le temps pour regarder la vidéo nous, ou quitte un like pour nous et quitte un commentaire. Et à vous-mêmes qui fait visiter la chaîne, là, qui pourquoi abonner, cliquez sur ce petit bouton rouge qui marque abonner, cliquez sur ce petit cloche sur le côté là. Et puis pesez tout pour capable toujours recevoir toutes notifications, toutes vidéos nous. Ricky Haïti, nous c'est Géo, côté Pio pas arrivé. Grand famille, c'est nous-mêmes qui l'y. En allant vidéo, nous allons expliquer qui ça c'est domaine fait. Mais pour même cap suivre Ricky Haïti longtemps, on connaît très bien causer marché ça, causer marchandise cap sur Saint Domingue pour entrer Haïti. C'est une cause qui fait pile par en pile dans dernier temps ça. Et une gros mezi, une gros décision que autorité ici prend. C'est là que vous avez exigé à Dominicain que sans problème, il a continué à recevoir des marchandises qui sont Saint-Domingue pour entrer dans le pays. Mais en seule condition, Dominicain doit payer $800 américains pour chaque contrée de marchandises qui passent dans la douane pour vérification. Et sans compter, il y a 27% d'impôts à pas qu'il continue à payer. Mais décision ça, tu as quitté Gouamé dans la bouche tout Dominicain. Quel que soit secteur, pas bon ici de Saint-Domingue, ça a tapé qui t'en pile par en pile. Tout côté net, directrice Ado Expo, qui c'est Association Dominicana d'Exportadores, Pro Industria, tout l'autre secteur net qui gagne à voir avec question commerce entre Haïti avec pays par roi, te fouille bouche dans cause. Pas oublier, Haïti représente deuxième socio-économique pour yo. Haïti représente deuxième pays après États-Unis qui fait, on fait plus comme dans une année. Donc ça, pas de négociation même. Et on te dit qu'on prend jusqu'au bout Haïti pour décision ça, que autorité Haïti prend pour retourner sous décision ça. On te dit qu'on prend traîner Haïti devant OMC qui c'est Organisation Mondiale Commerce pour que yo capable faire Haïtien yo retourner sous décision ça. Parce que question ça, il n'y a pas en faveur du tout pour payer $800 américains sur chaque contrainé marchandises qui rentrent en Haïti, plus sur l'autre 20% d'impôts encore. Eh bien, Dominique a montré l'autre fois encore qu'il a pensé avec tête par eux. Il a pensé avec comment il est capable de faire payer l'économie, aller vers l'avant. Mais il n'a pas pensé avec deuxième pays qui fait plus comme dans la cause commerce chaque année. Il n'a pas jamais hésité, déporté, humilié haïtien légal qui vivent Saint-Domingue. Et parfois, ça qui est légal, tout. Il n'a pas jamais hésité pour maltiriser haïtien qui vivent pas bon ici. Parfois, il a dérefusé, renouvelé ses canaux. Il a dérefusé, payé le travail qu'il a fait avec souhait, courage, yo, force. Yo. Mais les autorités haïtiennes, justement, ils ont tiré plume sous le dos, ils ont volé, ils ont popé, ils ont dit qu'ils ont pris le train en Haïti devant la justice, ils ont pris le train en Haïti devant l'Organisation Mondiale Commerce parce que ça n'est pas passé. Eh bien, autorités haïtiennes, pour une fois, ils ont campé tête frette, dandy, dans bang, ils ont dit si Marie pas monter, si Marie pas descendre, décision $800 américains qui reprend. Pour chaque contrainé qui a sauté dans le pays par ou pour entrer en Haïti, il dit décision ça pas grand rien qui a fait retourner sur lui. Mais les Dominicains qui ont ça, ils ont pas fait ni un ni deux, puisque causer commerce, causer économie, causer exportation, c'est pour bagay qui ont joué dit tout à clé. Ils ont couru frapper porte dans l'autre pays, mais pays ça par l'autre qui est Équateur. Gros réunion déjà faite entre ministre Affaires étrangères République Dominicaine avec ambassadeur Équateur en République Dominicaine pour une possibilité de commerce entre République Dominicaine avec Équateur. Parce que selon eux-mêmes, si on continue avec Haïti, il n'y a pas en faveur. Allez, nous racontons qui s'est tombé dans la réunion ça entre deux entités. Venez-nous. Saint-Domingue, son pays
qui voulait aller vers l'avant chaque jour qui a passé. Et au même côté de l'eau coulé plus frais pour eux, côté de l'eau coulé plus douce pour eux, c'est là où pour aller. Donc, yo pas pral penser, yo pas crainte, yo pas peur pour penser avec quantité année qui ont été qu'on fait business, commerce avec Haïti, n'importe l'autre pays qui ont une plus avantage que Haïti, c'est là où pour aller avec les mains. Bien, non chercher, yo tombé sur l'équateur. Et selon ça, on a publié, on fait qu'on est que, qu'on tient avantage à jouer en plus si on allait jouer en Équateur dans place Haïti. Ou quoi, c'est vrai? Nous doutons fort, oui. En tout cas, comme nous, même que Haïti n'est pas expert dans le domaine, non? Mais, les n'a pas connu Haïti par nous, nous prenons quelque soit marchandise, là, quelque soit de bonne qualité ou soit pas de bonne qualité, nous prenons avec les mains. Nous doutons fort que l'autre pays pour aller prendre n'importe bagarre dans mes Saint-Domingue. Et les n'a pas calculé tout. Haïti c'est là, il est collé avec Saint-Domingue. C'est plop marchandise sur Saint-Domingue pour entrer Haïti. Ou quoi, bah il y a plus avantage pour eux dans mes Équateur. Les n'a pas calculé tout. Équateur pays puis près aussi Colombie avec Pérou. C'est pas que Saint-Domingue trop loin ou non, mais nous kabo garanti que Jean de l'eau te kon koule fril te kon koule douce pour Saint-Domingue dans question commerce à Haïti a nous va quoi la possi douce pour yo si elle fait commerce avec Équateur pendant que nous va regarder rien non nous même en Haïti nous va venir sur ça tout à l'heure mais dans réunion que fait jodi mardi ça n'a pas la voilà pas oublier sur Haïti c'est jour côté pure pas arriver réunion ça fait entre ministre Affaires étrangères République dominicaine, M. Roberto Alvarez, avec ambassadeur équatorien, M. Enrique Cadena. Dans la réunion, ils ont établi un compromis pour les gens qui parlent espagnol. Ils ont fait connaître que ils ont créé un groupe qui prend le travail ensemble pour qu'ils soient capables de réunir une fois chaque année avec l'objectif pour impulser, pour qu'ils soient capables de pousser. Il y a un échange commercial et investissement entre deux pays. En tout cas, dans la réunion, il fait connaître que il a déjà signé un protocole d'accord côté que on va identifier possibilité commerce et on va bailler j'arrête avec une politique qui va appuyer sur investissement dans tout secteur stratégique et on va chercher, on va profiter ensemble en parlant de Saint-Domingue. Ak Équateur, yo pral chercher toute niche marché, toute possibilité commerce pour qu'yo capable faire échange entre eux même pour que yo capable faire comme. En tout cas, est-ce que décision ça que Saint-Domingue prend, est-ce que la bon pour yo, nous pas connait. Nous même, nous pas là pour nous faire bouche dans cause monde. Mais nous sommes certains que yon gen expert, yon gen moun ki kompetan nan domaine nan, et si yon pa dirige, si yon pa étudie ke la bon pou yon, yon pa tabral foure koyo en bas vente Équateur. Mais nous gon ti analyse pou. Pour toute année que Saint-Domingue gen la fait business avec Haïti, pour yon fois, autorité ici ou pense avec peuple la, ou soit pense avec pays, ou soit pense avec sak nan tête yon ke nous pa konnen. Saint-Domingue levé campé. You know back in latir attention sur li c'est que Jean proverbe la dit chaque coucouge clairé pour géo. Quantité année que Dominique ou gagne a voyé marchandise en Haïti qui pas même vraiment de qualité, on zé k'ap fait en balimier, on salami pas bon qualité, on bon produit chimique. Yo pas jamais dit rien, yo pas jamais pensé avec peuple haïtien vraiment. Mais pour yon fois autorité haïtien yo levé campé yo dit ou dwe paye yo $800 américains rapide vite Dominique au courage chercher pour côté de l'op couler plus frais pour yo qui pas Haïti. Yo d'abord que nous voulons dire c'est que nous pas dire que ces domaines pas continuer faire business à Haïti jusqu'à côté n'a pas la voilà business a continuer fait. Mais pas étonné dans prochain jour yo ou Dominique yo publié une annonce qui fait connait que déjà c'est à cabo pas gain commerce entre Haïti avec pays yo pas étonné
ou bien tout cas continuer fait parce que ça ou te pense ou pral jouen nan Équateur ou pral jouen ni tout possible. Mais là, puisque autorité ici ou exige $800 américains, yon dit nan tête yon, ça pa douce pour moi non? Pour en paye $800 américains plus 27% impôts sous chaque compte qui n'a pas entré à Haïti, papa, bon mal cherche un autre pays pour moi. Est-ce que vous comprenez la logique là? Mais vous ne pensez pas à la quantité d'années qui a fait $1 million américains sur Haïti? C'est chaque coucou éclairé pour Géo. Nous même dans Haïti, nous pas experts. Nous, juste pour ton analyse pour. Mais, ça ne veut pas attirer l'attention que nous ne pouvons jamais suspendre, exiger avec autorité ici aussi. Pense à peuple là. Pour une fois, on prend une décision. Par contre, si c'est pour peuple là. Mais pour une fois, on prend une décision et puis on campe dedans. Et rapide, vite, nous, les Dominicains, rapide, vite, yo courir font courbe. Y'a le frappe l'autre porte, y'a le chercher l'autre pays qui a un avantage. Yo. Nous ne pouvons jamais suspendre avec autorité ici pour courir production locale. Si paysan yo la yo gen volonté yo gen intelligence yo ka travaille yo ka bay manger mais yo manque capacité yo manque ressources yo manque matériel yo manque produit yo manque engrais et la trier c'est domaine ka di d'un matin il ta ka di la ah déjà c'est akabo pa faire business avec yo pa faire commerce ak Haiti encore nous ta capable di zafè mais est-ce que nous pare la grande question. Si Saint-Domingue t'a levé demain matin, il dit au pape fait commerce avec Haïti encore. Est-ce que nous parions? Est-ce que nous parions pour propre pays, pour propre terre pays, bah le peuple à manger? Ou bien est-ce que autorité ici commence à penser, est-ce que ouvrier sur l'autre pays pour frapper Brésil, frapper l'autre pays pour acheter nan meyo? Si nous t'adine pour près sur le plan productif pour nous bah propre nation à manger. Tout ça au fond météo en compte. Nous même dans Haïti, nous pas crainte, nous pas peur et nous prêt pour nous dire que Saint-Domingue ça fait. D'ailleurs, manger qui était qu'on voit Haïti, c'est pas même de bonne qualité oui. N'a rappelé que Saint-Domingue pas dit que il pas continuer faire commerce à Haïti, mais a frappé l'autre pays, il a frappé l'autre porte. C'est ça qui nous dit. Dis nous commentaire qui sont pensés de tentative ça que Saint-Domingue commence à faire en faveur pays et qui sont à conseiller avec autorité ici pour faire en faveur peuple là. Pablis, c'était Ricky Haïti, l'homme qu'il faut, la place qu'il faut, Biville, Place Elville. Ricky Haïti, nous c'est grand famille, plateforme Paul, nous là pour nous motiver, orienter et informer de tout ce qui passe ces domaines qui concernent nous et tant qu'haïtien. Pablis, une seule façon pour rester connecté avec nous, c'est de cliquer sur ce bouton rouge qui marque abonné et pour cliquer sur cette cloche là et pour peser tout pour capable toujours recevoir notification de nous. Nous en pile, à la prochaine, prends pile précaution. Bon Dieu bénisse.